Oggi siamo qui con un grande regista, ha fatto un film veramente bellissimo, Rémy Tézier, che è il regista del film con Catherine Destivelle, Au-delà des cimes, girato sulla Monte Bianco, Le Grand Capucin, Le Grépon e L'Aiguille Verte. Benvenuto, bienvenue Rémy Tézier. Et félicitations pour le film parce que c'est super, vraiment merci incroyable. C'était ton idée de faire le film avec Catherine Destivelle? C'était comme un hommage? Je l'ai raconté dans le making-of. Ouais. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu un film qui s'appelait Les étoiles du midi. Ouais. Avec Marcel Ishak, qui a été primé au festival de Trento en 1958. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais 16 ans, c'était en 1973. Quand j'ai vu ce film, j'ai tellement aimé, j'ai dit que je ferais ce métier, cinéaste de montagne, entre autres. Ça, c'était donc quand j'avais 16 ans. Et j'ai rencontré Catherine Destivelle en 2003 à l'île de la Réunion. Ah, il y a 4 ans, 5 ans, oui. 4 ans. Ouais. Et quand j'ai rencontré Catherine Destivelle, c'est là que je me suis dit, je vais pouvoir faire mon film de montagne avec elle, en hommage au film des étoiles du midi ou les films de Ray Buffa. C'est ça. Oui, la connexion. Mais tu grimpes, tu fais de montagne. Je fais de l'escalade, oui, bien sûr. J'ai fait de la montagne, oui. La sensation qu'il y en a, c'est d'être avec elle. Et ça, c'était incroyable. Même l'audio est vraiment super. C'était ça, ton intention, ouais, de faire ça. Grimper avec elle. L'idée, c'est que je trouvais, pour moi, la montagne, c'est du bonheur. Oui, je suis d'accord. C'est du plaisir. Ça donne un sens à la vie. Oui. Or, depuis longtemps, je trouvais que les films de montagne, c'était des films où on avait peur, où les gens prenaient des risques, parfois ils mouraient. Oui. Et pour moi, la montagne, c'est pas ça. Oui. Et donc, mon objectif, c'est de dire, moi, je veux aller en montagne avec Catherine Destivelle et la suivre de très près. Oui. C'était elle qui a choisi les personnes, sa sœur, ses amis. J'ai dit à Catherine... Les voies, les routes aussi. Voilà, j'ai dit à Catherine, on fait 3 ascensions qui montrent 3 exemples de la montagne. Oui, différentes. Oui. Et je lui ai dit, tu vas choisir des personnages pour chaque ascension, des personnages que tu aimes. Et forcément, elle a choisi parmi les gens qui sont dans le film. Et du coup, le fait qu'elle soit avec des gens qu'elle aime, elle se sent bien. Et du coup, elle arrive à se révéler, à parler. J'ai adoré la scène avec sa sœur. Oh, sommet de Grépon. Oh, c'est super, la lumière. Oh, incroyable. Ouais. Et comme tu as fait ça? Il y a comme une sensation d'intimité. Tu parles du bivouac? Le bivouac, oui. Ouais, le bivouac. Le bivouac, c'est un hommage à Sam Ivel. Sam Ivel, c'est le premier film de montagne qui a été primé à Trento. Oh là là. Ça remonte, oh là là, hein, ouais. 56 ans. 56 ans, oui. C'est le premier film. Sam Ivel, c'était un écrivain et surtout un dessinateur. Oui. Et lui, pour lui, la montagne, c'était un lieu de contemplation. Un lieu où on est bien parce qu'on contemple la montagne. Oui. Et moi, dans mon film, il était très important que j'aie un bivouac. J'adore les reprises que tu as faites, des close-ups et après, zoom-out comme ça. Comme tu as fait ça avec... Alors, c'est-à-dire qu'on est à la fois... on était dans l'escalade. Oui. Et on a mis une grue, donc un bras, avec une caméra. Oui. Ce qui nous permettait de suivre Catherine et de s'écarter. Et après, on a repris les mêmes images en hélicoptère. En hélicoptère, oui. Donc, on a fait les deux images. Et les deux images ensemble, ça fait cette impression d'être à la fois avec elle et à la fois de redonner l'espace de la montagne. Oui. Mais il n'y a jamais des ombres d'hélicoptère. Alors, c'est parce que j'avais tout repéré. Tout ce qu'on a filmé, j'étais allé dedans avant, dans les parois. J'étais descendu et j'avais noté les heures de tournage. Ah bon. Donc je savais exactement où je voulais filmer et à quelle heure je devais filmer.
Bon, le résultat, c'est vraiment incroyable. Merci bien. Merci à toi, Rémi Tézier.